111, 1, 1, 1. La 111e mission sur Gloomhaven. Eh ben, on repart avec Perce-Esprit et Tissor pour faire, je pense, la dernière mission avant le boss. Quand Perce-Esprit aura fini son histoire. Au niveau 5, je pense que là on aura le boss. J'espère. Sinon, ça commence à être long, 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 long. Et surtout que là maintenant, elles sont un petit peu plus difficiles vu qu'on est passé à des missions de niveau 3. Des rencontres de niveau 3, donc ça devrait être un petit peu plus compliqué. J'ai récupéré ma carte qui, bon, paraît pas extraordinaire, mais quand même, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce que j'ai bien récupéré mon jeton, mes deux jetons? Ok, j'ai bien ma carte aussi. C'est celle-ci que j'avais gagnée. Forcer un adversaire à porter 5 à effectuer un déplacement de 2, ça c'est quand même fort. Ou sinon, en haut, c'est étourdissement. Pour vos prochaines attaques de mêlée, on est étourdi. Ouais, c'est quand même pas mal. Allez, on y va. Reprenez possession de votre nid en anéantissant ses actuels occupants illégitimes. Ils ont rassemblé une petite armée. Vous devrez utiliser quelques méthodes déloyales. Perdu, si ce Perce-Esprit est épuisé. Ok. Pas de rencontre. Les bandits ont transformé votre nid en une plaque tournante majeure pour leur opérations, amassant du butin et des armes dans chaque coin et recoin. Un assaut direct serait catastrophique. Pendant des jours, vous faites alors des incursions dans le camp, empoisonnant leurs réserves d'eau, remplaçant les bons aliments par de la nourriture périmée et ajoutant discrètement d'étranges herbes dans l'eau destinée à leurs animaux. Votre patience est payante. Toute la troupe est rapidement paralysée par la maladie. Et elle peine à mener des activités les plus basiques. Vous attaquerez au crépuscule. Donc bon, ils vont sûrement être désarmés ou je sais pas, avoir des malus, peut-être. Tout le temps des malus. Être le premier à tuer un monstre. Ça c'est peut-être bien. Que des rocopos. Non. Je me rappelle plus ce que j'ai pris pour Tissor. Ah ouais, les points de vie, je vois. Points de vie qui ne doivent pas descendre la moitié. Ah, on a des alliés. Ah, voilà, vous faufilez en passant au-dessus des gardes neutralisés à l'extérieur et contemplez avec satisfaction les résultats de votre stratégie. Vos adversaires sont nombreux, nombreux, mais pas aussi féroces que d'habitude. Vous avez maintenant une chance de les vaincre. Ah, ils sont empoisonnés. Vos herbes vont faire entrer des animaux dans une frénésie sauvage, ils attaquent n'importe qui à proximité. Je resterai en retirée si j'étais vous. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là, déjà, on peut en balancer. Ah, des pièges à 5, ça c'est top. Et là-bas, il n'y a pas de piège par là. Pas de piège. Bon, ça serait bien qu'ils s'entretuent, effectivement. Comme on n'est pas porté, on va rester là pour être un peu loin. Ça va être à portée. Lui, par contre, 20 points de vie. Je sais pas trop qui il faut aider, hein. Bon, bah, de toute façon, nous, on va déjà s'équiper classique. Ah oui, bah voilà, on va forcer quelqu'un à faire une attaque. Donc, on va être loin. C'est portée 5, donc ça c'est bien. Et toi? C'est-à-dire, ouais, le problème c'est qu'il faudrait pas que ça dure trop longtemps avec toi. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps. 4, j'ai un déplacement à 4. Quoi qu'on peut essayer de taper d'abord.
Ouais, si on se met là. Ouais, on peut essayer de voir ça. Pour être au moins à portée 3. Alors, ils se déplacent. Bon, on va voir ce qu'ils font entre eux. Ah ouais, il est empoisonné, c'est vrai. Ah, et puis en plus, ils sont immobilisés. Ah, il fait une attaque à un... Bon, l'archer bandit. Oh, lui, en plus, l'autre, il va reculer. Ah, il risque de le tuer. Non, mais bon. Toi. 4, c'est pas mal. Et toi? Pas de chance. Pas de chance. Alors, ce qu'il faudrait, ouais, c'est toi. Qui c'est qui est en force à taper? Ah, lui, là. Il est à portée 3. T'as quoi toi comme portée? Portée 4, c'est peut-être pas mal ça. Tu vas essayer de taper de lui là. Bon, c'est pas grave. À toi, portée 3. Ah, il a des boucliers, j'avais pas vu. Toi, tu pourrais peut-être te cacher ici. Portée 2, 1, 2, ouais, ah ouais, ça c'est peut-être pas mal. 1, 2, 3. Ça c'est bien. Et toi, et toi? Ouais, ce serait bien que tu joues quand même tôt. Ça, je peux peut-être faire ça en attendant un peu. 5. Toi, je pourrais te faire reculer, ouais, c'est ça. Et toi, bah, tu pourrais faire ça. Et puis, ouais, reculer. Allez, on joue vraiment tard. Personne ne se soigne, alors qu'ils y aillent. Ça, c'est pas cool. Voilà. Vaut mieux que j'y mette lui alors. Ah mince. Ah non, ils ont pas mis de bouclier. Alors moi, de toute façon maintenant on est... Est-ce que je fais mon allié mystique? On est allié mystique qui peut faire quand même pas mal de dégâts. Non, on va aller là. 1, 2, 3. Non, plus de l'eau.
C'est bon. Normalement. Ce que j'ai besoin. Ce serait pas mal ça. L'attaque à 3. Alors, allô? Je pourrais me déplacer. Ah, j'ai plus mon déplacement à 5. Et là, il n'y a pas d'autre piège. Hein. Donc là, il faut vraiment s'en débarrasser de cela. Alors, on va y aller. Là, c'est pas très utile. Et toi? Bouclier, riposte. Bon, il joue après nous. Attaque à 2, à 3. Et lui, il fait quoi? Bouclier, riposte. Et il attaque à 6, à 5. Ah, lui, il va faire mal. Ouais. Je me demande si on va pas plutôt faire ça. Ouais, c'est dommage de gaspiller. Dommage de gaspiller. Le problème, c'est qu'il attaque quand même à 5. Non, on va faire ça. Il portait combien, lui? Portait 6. Ouais. Mais là, il risque de me faire de gros dégâts. Pour ça, j'ai pas. Si j'ai mon armure. Non, j'ai pas mon armure. Bon, on y va. Ah non, ça me sert. Ah si. T'as qu'à 3. Avec un peu de chance. Oui. Annuler. Non, plutôt là. Allez. Ok. À nous. Alors, je pourrais les coller là, tous les deux. T'as qu'à 7. Ah oui, parce qu'il est empoisonné. Là, ouais, il est un peu mort là. Alors, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose à lui? T'as qu'à 2, ça va rien faire. Bon, on va s'avancer à attaquer à 6, hein. Toi.
On va pas l'empoisonner, t'es déjà empoisonné. Voilà. Il m'empoisonne. Ouais, ça vaut pas grand. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a trois boucliers. Ouais, mais trois boucliers, ça sert à rien. Ouais, de toute façon, autant le faire. Si on fait plus un. Au moins, il a pris un dégât. Il va encore bouclier, ah ben. Ah là, je peux faire pire. Ah ben non, je peux pas. Bon. Allez, on s'intéresse pas trop au sous. On va aller là. On en a tué pas mal. Il y avait quoi? Il y en avait 2. 5. 2, 4, 6. Je crois qu'ils étaient 6. Il y en a déjà beaucoup là. Celle-ci. La ligne mystique est quand même pas mal. Le glacial, il faut forcément voir. Allez, la ligne mystique. Bon, on laisse un repos court. Allez, on laisse un repos court. Oh non. Ouais, on a perdu un point de vie pour rien, mais bon. On va quand même. Voilà, on va quand même immobiliser quelqu'un, on sait jamais. En fait, celle-ci, c'est à peu près la même. Enfin, on dirait. Allez, ça. Pour le tour suivant. Allez. Ouh là, il y a de l'ours. Ouh là, il y a de l'ours. Le problème, c'est qu'ils sont tous là. Oh là, oh là. Est-ce qu'on peut reculer? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, là, il faut qu'on recule. Oui. On va reculer jusque là. Bon, c'est pas grave.
reculer. Ah oui, bon, on va reculer. On peut pas avancer. Non, mais toi, au moins, tu peux peut-être venir là. J'ai pas vu qu'il jouait. Bon, ça me sauve. Oh non! Pourquoi il vient là, lui? Enfin, au moins les deux se battent, c'est pas plus mal. Qui c'est qu'on va attaquer? C'est peut-être pas mal. Pas si ça vaut le coup. Et toi, par contre, ouais, je peux l'étourdir, lui. Mais ça, c'est une action en bas et une action en haut. Une action en haut, ouais, j'ai pas grand-chose. Là, il pourra quand même avoir des dégâts, lui. Bon, on va voir. Allez. Confusion. Ah bon, il fait que confusion. Donc ça, c'est pas trop trop gênant. Ah ben, c'est moi le premier. Et voilà, tous les deux. Bon, c'est quand même pas mal. On va pas s'en plaindre. Celui qui se déplace, il attaque à 3. Ce serait peut-être bien d'aller le tuer, celui-là. De toute façon, je peux plus faire ça. Quoique. Ah mince, c'est une attaque en bas. Mince. Les deux là vont s'entretuer, c'est pas mal. À nous. Donc maintenant, moi il faut que je fasse ça. Plus un petit déplacement. Et moi. Pas trop grave. Le chien, il attaque à 4. D'accord, il attaque à 3, il blesse.
C'est pas grave s'il me blesse. Oh, plus je l'ai. Tenez, c'est un peu chanceux. Ça, tu pars déjà. C'est bon, l'autre il attaque à 5 quand même. Bon, on va pouvoir peut-être y aller. Ah, j'avais déjà. Bon, c'est bien. Toi, tu te déplaces de 2, ça me dérange pas trop. Laquelle on perd, mais surtout pas celle-ci. Celle-ci, on pourrait la perdre dans un premier temps. Celle-ci n'est pas très utile. Celle-ci, c'est un peu les deux mêmes. Mince repollon. Repollon, et toi? Et ben toi, tu vas quand même y aller. On va voir. Il joue après. Ok, il attaque à 4. Il se déplace de 2. Ah oui, il est empoisonné. Pas grave ça. Il va m'attaquer, pas de soucis. J'ai mon armure de givre qui va me protéger de ton attaque. Hey, dommage. J'ai pas vu que c'était. Allez, celle-ci. Allez, finissons. Là, il faudra aller. 1, 2, 3, 4. À 4, il faudra au moins un déplacement à 4, mais ça, je l'ai. Et puis ben moi je vais me déplacer aussi. 3. Voire 4 même. Allez, un bouclier riposte, c'est pas grave. En fait, tu m'as pas été très utile. Enfin, mon poison là, il va pas me servir à grand chose. Alors là, on peut se déplacer 1 sur 1, 2, 3, 4. J'ai pas mon déplacement à 5, je l'ai pas. Ouais, de toute façon, après, est-ce qu'on fait un repos long? Non.
On essaiera un repos court, donc il faut que je garde. Ça, je peux le perdre. Allez. Ah ouais, de toute façon, toi, t'es obligé de faire un repos long. Est-ce qu'on peut rentrer, nous? Ou est-ce qu'on avance encore un peu? Allez, on avance encore un petit peu. Et puis, ben, nous, on fait un repos long. Et toi? Quel on jette. Celle-ci, elle est bien, mais il faut. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est bien pour jouer tôt. Allez, on va jeter ça dans un premier temps. Allez. Ah bah oui, mais toi t'es repos court, allez. Allez, repos court. Perdre, allez. On y va, on rentre à 4 et on essaie d'attaquer quelqu'un. Voilà, à 2. Allez. Et toi, bah, tu rentres à 4, comme d'habitude. Est-ce que tu grilles les deux? Non, ça et ça. Allez, on est 20 et 26. Oula, 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 là, il y a du monde, il y a du monde. Donc là, ils sont corps à corps. De toute façon, c'est fini. Bon, ça, c'est pas trop mal si on reste ici. Lequel va pas se déplacer? Je pense que ceux-là, quand même, ils sont plus dangereux. Ils sont beaucoup plus. Quoi qu'il y a des archers. Il y a des archers. Un peu peur. Comme ça, il aura des avantages. Ça, c'est pas mal. Finalement, pas plus mal. Est-ce que ça. On jouera après. Il n'y a pas de piège. Ah oui, il y a des pièges de archer. Personne qui attaque là. Ah si, il attaque à 3. Il n'a riposte que 2. Oui, par contre, il a riposte de. À nous. 1, 2, 3. Est-ce qu'on. Voilà, lui. Là, ça fait du grabuge, ça. Est-ce qu'on se base sur la boîte? Peut-être essayer d'aller là. Après. Après, j'ai mes trucs de feu, là. Ouais. Et il me reste quoi comme cas? Ah ouais. D'accord.
Attends, j'ai mes deux cartes défaussées. Ah, mon déplacement de deux là. Si l'ours, on pourrait le déplacer là. Ça, on le garde, mais on peut faire ça plus. Deux. Ah non, il est immobilisé, je vais pas pouvoir. Ah bah lui. Lui, il va pouvoir, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Et toi, bon, toi, t'es pas trop. Il fait rien. Qu'il est mobilisé, il fait rien. Le loup, il attaquait deux. Lui, il sera mort. Enfin, du moins, un sera mort. Ah non, le loup, il attaque. Ah, y a... ah non, c'est l'ours. Et lui, il attaque à 4. Ouais, malheureusement, le loup, il risque de mourir. Alors, on y va. Nous, on attaque qui? Est-ce qu'on les attaque tous les trois? Peut-être pas mal, ça. Je vais voir. Si je vais ici... J'ai grillé ma carte, hein. Il me reste plus que 3 cartes, je crois. On récupère des cartes. Ouais, allez, tiens, on va récupérer une carte, au moins. C'est bien tout ça. Oui, je choisis mon tour. Donc moi, on va faire ça et pareil pour ça. Toi, repos court. Non. D'accord, il fait rien. Ah, c'est soigne. Fait 5 dégâts. Lui, il sera mort, en fait.
Voilà. Ah, on a raté, ça va être le premier. Oh, mais j'ai rien après. Tiens, on va essayer ça. C'est bizarre parce que j'ai joué laquelle? J'ai joué la 5, je crois. Non? Ah si, si, j'ai joué la 5. Ouais. Portée 3 là. On va voir. Oui, moi je suis obligé de jouer ça. Là, on est où là? 3 or, 3 or, il n'y a que 3 or partout? Ah ouais, c'est pas extraordinaire. Oh, quel idiot! Oh, l'idiot, l'idiot! Ah si, je l'ai récupéré. Ah, ouf. Maintenant, c'est à moi. Piège 2. Ah ouais.
Oh la pillage 2, j'ai tout ramassé là. Peut-être tout ramasser. Oh si. Ouais. Et moi. Ouais. Victoire! Vous avez récupéré votre territoire et une grande fête est en préparation. Il est clair cependant qu'aucun de ces sbires n'était aux commandes, ce qui signifie que d'autres encore reviendront. Vous devrez mettre fin à cette invasion vous-même. Être le premier à tuer un monstre, non. 3 XP perce esprit seulement. 9, 1, 9. 49 objets. Comment je peux utiliser 45 objets? Comment je peux utiliser? J'ai mon bouclier, j'ai mon armure, j'ai mes cartes. Ouais. Consommer 15 éléments de feu. Ouais. On va voir. Est-ce que le boss sera là? Donnez-moi la quête. Obtenir un point de bénéfice, ça c'est bien. Ces boîtes récupérées dans le nid de la Perce Esprit contiennent beaucoup d'artefacts provenant des trois sanctuaires Savas, mais aussi d'un quatrième lieu. Regardez ici, cet emblème provient clairement du sanctuaire des cendres. Ils l'ont trouvé. Cette caisse possède les marques d'une compagnie maritime de flèches sauvages. Je parierai mon chapeau que le sanctuaire n'est pas loin. Mais vous ne portez pas de chapeau. Ma maman m'a dit que de ne jamais faire un pari que je ne peux pas perdre. Que je ne veux pas perdre. Voilà. Ouf. Enfin le boss. Cœur de roche doit être dans la compagnie. Perce esprit doit être au niveau 6. Oh. Au moins au niveau 6. Eh ben ce sera pour la prochaine. Hein. Ah on n'y est pas encore hein. On n'y est vraiment pas encore, malheureusement. Il faut être niveau 6. Hop là. Ouais, ça c'est l'icône du boss. C'est l'icône du boss. Oula, il y a du monde là, quand même. Il va falloir encore faire du petit... des petits boulots. Qu'est-ce qu'elle a cette boîte là? Ah ouais, mais celle-ci aussi on les a. De toute façon, on les a tous fait déjà. C'est... Ah, celle-ci par contre me dit rien. Pendant une hâte, votre attaque consomme n'importe quoi pour ajouter plus à la totalité de l'attaque. Ah ouais. Celle-ci, je dois pas l'avoir, la robe d'évocation. Je vais voir. Est-ce que je l'ai, la robe d'évocation? Non, je dois pas l'avoir. Non, j'ai pas de robe d'évocation. Tiens, première fois. Prestesque. Ah ouais, robe d'évocation, je ne l'ai pas. Perdu. Ah, on va être aidé. Ça peut être bien ça. Et là, il me faut encore 45 XP. Non, 55. Là, par contre, j'y suis déjà à 55. Et oui, qu'est-ce qu'on a eu? Feu. Et on a un petit point de bénéfice aussi. Alors, est-ce que je prends mon point 2 ou 2 autres plus 1 rejouer? Allez, un autre plus 2.
Parce que là, je gagne quoi? Un XP? Je vois pas trop ce que c'est cette icône là après. Ouais, le problème c'est qu'on sait pas. Cœur de roche doit être en compagnie, donc c'est avec cœur de roche. Eh ouais, il faut passer niveau 6. Mine de rien, c'est pas niveau 5, c'est niveau 6. Et on aura le boss. Ok, bon bah on va arrêter là. On a quand même bien avancé, je trouve. Cette carte est quand même pas mal. Enfin, cet anneau permet de faire un sacré coup, un deuxième coup à 6. Peut faire très mal. Puis je rejoue après. Vraiment super. À garder ouais, pour le boss. Mais bon, avant d'arriver à 55 XP, il va falloir faire 5 missions. 3-4 missions parce que ça rapporte combien? 6 XP quand même. XP, ouais, 6 XP seulement. Bon, lui, elle est sûre de passer. Tissor, elle aura peut-être une bonne carte. Ok, allez, on arrête. À plus.